Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play The Last of Us Part 2. Le premier épisode était sur la chaîne principale, maintenant on est sur le studio et toutes les VOD seront ici. Alors attention, ce sera de très grosses VOD, donc vous pouvez les regarder quand vous voulez, en plusieurs fois s'il faut. Je les publierai quasi tous les jours. Le jeu est incroyable. On est dans un film là, carrément. Pour rappel, je suis en live tous les soirs à 20h pour réaliser ce let's play. Donc vous pouvez venir aussi en live, hein, si vous voulez tester en live, il y a le chat, on parle un petit peu ensemble. Et puis voilà, si vous ne pouvez pas, il y a les VOD YouTube. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, on perd pas plus de temps. On s'installe et on y va. Oh, et c'est parti pour la suite. Tu crois qu'elle est bonne? On part directement sur un strike, hein. Ça parle de drogue. Ça va se fumer la gueule. Par contre, si elle fume, genre, je suis dans la merde, non? Un coup de main? Non, c'est bon. C'est pas ma faute, c'est le jeu. Oh putain, donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue, c'est... Ouais. N'ouvre pas le pot. Si tu ouvres le pot, tu me mets dans la merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Super. Bah quoi, je l'ai ouvert. Super, on commence vraiment parfaitement là. Vous allez vraiment fumer ça en live sur Twitch. Moi je suis dans la merde là. Y'a pas de cut, je peux pas faire de cut. Snoop Doggy Dog qui va arriver post-apo. Tu sais, on va rester coincé un moment. Faut se faire plaisir. On est pris au piège. C'est la fin du monde. Le ban, le permaban Twitch qui va arriver. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. Ils vont se pécho. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... J'ai chaud là. À couper le souffle. C'est du tabac. Il fume du tabac. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? C'est des cigarettes en chocolat. T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça? Ça devient un petit peu chaud, là. Les filles, on est déjà de la drogue? Là, ça commence à devenir chaud. Doucement, quand même. C'est mes débuts, quoi. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6. Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note. 6, c'est bien, va pas plus haut. Tu peux finir la discussion là, c'est bien. Bah non. Reste sur un bisou à 6. Là, ça, là, ils vont se pécho. Là, c'est le regard, tu sais. C'est le regard où tu pécho. C'est toi qui dis ça. Ah, y'a mis de sauce. J'ai envie de retourner en plein blizzard. Peggy 18. Personne t'en empêche. Oh, cette tension sexuelle. Cette chaleur. C'est la weed qui fait cet effet ou... T'as intérêt à faire mieux que ça. Ou mes hormones. Aïe 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 aïe, on commence fort. Oh, et ce... Ils vont pas de main morte, hein. Parfait, écran noir, c'est bien. Ouh, ouh. Ça commence bien. Ah. Drogue, sexe, la survie post-apocalyptique. Alright. On revient sur le deuxième personnage. Et on attaque direct. Ok. Let's do this. Ok, un petit zombie là-bas. On va essayer d'éviter le combat quand même. Je vais me faufiler. Restez tranquille, j'ai que 3 balles. On n'oublie pas. Oh putain, il y en a un là. Oh putain. Quoi? Oh là 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 là. Hop 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 hop. Attends, mais. Non, mais attends, mais. Quoi?
Waouh! Mais attends, ils sont combien? Mais je peux pas m'infiltrer là-dedans, moi! Ok, c'est... Ouais, faut pas que je me retourne. Ok, on se retourne pas. Quoi? Ça passe! Ok, 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 c'est normal. Je pensais que j'avais déjà merdé, mais je me dis... Attendez, mais là... Y'a aucun respect! Sexe, drogue, course-poursuite. Je pensais commencer chill. Alright, alright. J'ai clairement que 3 balles dans mon flingue! Donc calmez-vous! Ok, restons focus, j'ai déjà pris un coup, mais j'ai pas perdu trop de vie, ça va. Cavale, cavale! Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Ok, là c'est fermé. T'arrêtes pas et regarde pas derrière! Oh là là là, oh là là, l'enfer! Je t'ai dit de courir! Mais cours! Cavale! Ok, on va passer par là. C'est délire. Ça passe? Ok. Est-ce que les zombies ils savent grimper sur les voitures? Oui, j'ai ma réponse. Ok. Ok, on va passer par là. On a le contrôle. On a le contrôle. Oh, ça commence fort. Non! Putain! Attends, où est-ce que je vais, moi? Où est-ce que je vais? Non, sérieusement. J'ai pas compris. Là, ça passe. Ah oui, putain, ok. Waouh. Faut aller le voir. Là, ça passe pas, non. C'est quoi, ça? Oh, de la vie. Oh, bah, des munitions. J'ai clairement le temps de faire les étagères. Cours. On commence vraiment sur une séquence stress, quoi. Ça passe. J'espère que le grillage est pas trop gelé. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. On a le contrôle. On a le contrôle. Ils vont voler mon sac. Ma chaussure. C'est quoi ça? Mon bonnet. C'est mon bonnet. Un QTE. Allez dans ta gueule, casse-toi. Et qu'est-ce que je suis censé faire là? J'appuie, j'appuie. Ah bah merci bien. Eh hey, c'est Joël. C'est Joël. Je crois que c'est celui que je recherche en plus. Oula. Mais attends, c'est Jojo. Je te reconnais pas avec le bizarre et t'as quelques années dans les dents quand même. Oh waouh. Ah ouais, là on est sur du grand Mendes là. Oh, yo, 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 yo. On sent que ces mecs là ont la maîtrise. C'est des pros de la survie. Non, il m'a sauvé la vie. Mais il faut savoir que j'étais à cette rousse normalement. Je crois que j'étais à cette rousse. Ça va? Ouais. Attends, je voudrais prendre ce petit sneakers quand même qui reste, ça me stresse. Y'a moyen ou pas? Eh, hey, y'a moyen, ouais, je l'ai pris, je suis mort. Eh, hey, vous voyez, d'être radin et d'avoir l'œil, ça sert. Oh, j'ai pas de meilleure idée. Ne jamais laisser un sneakers dans l'appareil. T'as un flingue? J'espère que tu sais t'en servir. Te laisse pas distancer. Bien sûr. Faut qu'on prévienne les autres. Ça a commencé fort, hein. Avec des renforts. Waouh. Ça faut déjà qu'on survive. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que ça fait si je prends ça? Ah, une arme de corps à corps. Ah ouais. Attends, c'est bien ça. Ah ouais. Dans sa gueule. Déglingué. Ok. M'en occupe. Ok, ils ont besoin d'aide peut-être. Attendez, vous avez besoin d'aide ou pas? Laisse-toi. Putain. Tu m'en dois une maintenant. Oh putain, là par contre je fais le kamikaze. Là qu'est-ce que je fais? Je suis en mode difficile. Oui oui, c'est Joël et son frère. Dégage! Je sais pas si je peux y aller au point là. Ok, donc les alliés en plus sont vraiment d'une aide précieuse. Ok, vous voulez les sous-titres in-game? Alright les gars. Mais c'est en français normalement, de qui dit les sous-titres? Oui? Ok, je vous mets les sous-titres. Avec les noms. Ok. Normalement c'est bon. C'est parti, on commence très fort. Donc ouais, c'est Tommy et Joël. Y'a un moyen de monter. Là, utilise ça. Quoi donc? Ouais, donc je pense vraiment que j'étais sur leur trace à la base pour les tuer, mais là, les plans ont un petit peu changé. Attends, on va vraiment pousser un œuf? Faut la foutre sur le chariot. Vas-y, on pousse les œufs, hein, les œufs du ski. Ils sont en train d'entrer. Allez, on y va, on perd pas de temps. Attends, il faut que je récupère quelques munitions là. Je me permets, hein. Oh, putain, ça me fait... Ok, je vais juste le couvrir.
Prends ça, mon pied de biche, garçon. Alors, j'économise un max les munitions parce qu'on sait pas comment ça va se passer après. Je prends pas de risque. Y a pas de risque, hein. Pardon, Joël. On occupe. J'étais mort. Tu veux que je vienne essayer? Je m'en charge. Toi, repousse. Alors ça dépote, hein. Là, on est sur une bonne petite session. À droite. Je gère. Donnez-moi encore une. Bref, claco. Oh oh, j'ai plus de balles. Waouh. Oh, elle est violente. Attends, mais moi, je suis tellement radin que j'y vais au point. Oh là là, c'est beau. Ça donne quoi, Tommy? C'est beau. Je suis presque. Non mais j'ai pas assez de balles, les gars. En plus, j'ai mis le son à fond, les gars, c'est génial. Je sais pas si pour vous, c'est bon. Le son est assez immersif. Mais là, moi, j'ai le son à fond, c'est... Hey, ça dépote, hein. Faut y aller. All right. Ah non, faut pas déconner avec la petite go, là. Elle lui a éclaté la gueule avec son soulier. Le son est parfait. Parfait, les gars, let's go. On y va. Reste à côté de nous. Oh, on commence, mais genre... C'est par là. C'est une vilie. Il y en a partout. Let's go, waouh, 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 waouh. Attendez, allez, oh. Laissez pas derrière, les gars, parce que j'ai 6 balles. Oh, bah ça, c'est merci. Ça part sur un bon merci. On est vraiment sur une méga horde, là. Hein. Mais attends, comment ça se fait qu'ils sont toujours aussi nombreux? Ils devraient dépérir, les gars. Ils devraient se dépiauter. Tu vois, au fil du temps. Hé, hey, moi c'est Tommy. Lui c'est Joël. C'est quoi ton nom? Ouais, je sais, je devais vous tuer. Abby. Là c'est ce qu'elle se dit, tu vois. Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Kherson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. Le froid, d'accord. Ça conserve. Tu viens avec moi. Allez. Tu crois? Rappelle-toi, au début du jeu, il y avait un zombie tout gelé, là. Ah bah... On va faire une petite balade en... À cheval avec Joël. Ah ouais, cavale. Oh, il y a même des claqueurs et tout, il y a tout. Oh, ça commence fort. Waouh. Est-ce qu'on retournerait pas sur la timeline où on fume des petits joints, où on se pécho? C'est là. Ah ouais. Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. C'est cool de voir un peu de diversité quand même dans les jeux, enfin, sur des personnages principaux. Ok. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Et c'est très bien. La brûlure, là. Oh, je l'ai fait exprès. Je rougis pas. J'ai chaud. Pourquoi? Pour cacher une morsure. Juste là. Oui, c'est vrai qu'elle a caché sa morsure, on Quand la voit j'avais plus. J'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Elle ne croit pas. C'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? J'ai chaud. Jesse? Oh, merde. Ah! Reste où t'es, d'accord? Non! Oh oh! Non, oh oh! Il arrive au mauvais moment. Mais retourne-toi, bordel! Mais qu'est-ce que tu Putain, fous? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed? Qu'est-ce eh que ouais, tu mon gars. Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Non, c'est Alors pas bien. Pourquoi t'es pas au poste de guet? Pas cool, Parce pas cool. Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? On les a attendus pendant une heure.
cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être entrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as... Allez, on va partir à la recherche. Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ok, on part en solo. Ok. Let's go. J'espère que Lord va pas arriver jusqu'à la ville. Ah non, on repart sur Joël, ok. Ah ouais, ils sont dans la sauce, là. Waouh. Ah ouais, mais what? Il y en a autant. Mes munitions! Je les ai économisées, quoi! Ah ouais. Allez, tout ça à l'intérieur! Ça va être le confinement! C'est parti, un petit confinement là! On connaît, on a l'habitude! On peut passer du temps, hein! Nous, on a tenu 2 mois. Tu nous as fait peur. Je sais. Vous allez bien? Ça va. Merci. Ouais. Hey, je peux te parler une seconde? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux? Non, non, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Et où t'étais passé, merde? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui ce type? Et vous êtes là depuis longtemps? Non, Pierre. Ah, c'est elle qu'elle cherchait, c'est sûr. Pierre. Ouais. Je suis sûr qu'elle voulait les tuer et qu'ils ont dû... Rien. Assassiner des gens de sa famille ou quelque chose comme ça. Vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Sans la tension là quand même. Il y a un problème. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on connaît. Eh ouais. Oh! What? C'est bon? Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Oh non, ma jambe! Oh non! Putain, madre! Ah ouais, ils ont la haine. Oh non, on va pas le buter. Joël Miller. Non. T'es qui, toi? Devine. Oh putain. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Putain, il l'a sauvé en plus! Allez, on va peut-être pas le buter maintenant. Ah. Allez! Oh non, ils vont le torturer. Ah mais là sa jambe. Écartez-vous. Non. Vraiment, un imbécile. Oh, pas dès le début.
Tu croyais crever si vite? Ah putain. Ah, j'espère qu'ils vont pas le faire mourir. Le perso, je l'aime trop. Ok, on va jouer Ellie, il va falloir tout faire pour le sauver, on l'a déjà fait une fois. Mais... je sens pas du tout quoi. Scénaristiquement, c'est cool de le... c'est genre... cliffhanger de malade de le tuer. Mais genre j'ai pas du tout envie quoi. J'ai pas du tout envie qu'il meure, c'est un personnage trop cool. Trop important. Allez, c'est parti, on va tout donner, let's go. S'il te plaît. Allez. Sois pas mort. Ok, donc, visiblement, de toute façon, elle sait qu'il est ici. Allez, le chemin. J'ai envie de sauter là, direct de glisser, mais à mon avis, ça passera jamais. Allez, on va passer par là-bas. Ils sont méga nombreux quand même. Tommy, il est pas mort. Tommy! Mais il est bien amoché. Par contre, Joël, sa jambe, plus torture là, à mon avis. Et je pense que c'est des gens qu'on a limite même assassinés, peut-être dans le premier. Je pense. T'es vivant. Peut-être même des membres des Lucioles. Hein. Peut-être que c'est même des membres des Lucioles, hein, parce qu'on leur a mis le tarif. Allez. Je crains le pire. Là, je crains le pire. Je le sens mal. Et je... Joël? Tommy? Dans les images du trailer, on voit que Ellie, on n'a jamais vu Joël et tout. Allez, c'est parti. Okay. Putain, je vais les déglinguer, mais... ils savent pas, là, ils savent pas ce qu'ils attendent. Joël. Ok, tranquille, on va... on va faire gaffe, ne pas se donner. Où est-ce qu'ils sont? Ok, par là. Pardon. En plus c'est un personnage qu'on a joué. Je le savais depuis le début. Je l'avais dit au début de la vidéo qu'elle était sur les traces de Joël. Je le sentais pas du tout. Elle a l'air féroce en plus. Oh putain. Forcément. Allez, te laisse pas faire. Ouais, c'est quoi, c'est là? Lâchez-moi vite ces mains. Lâchez-moi putain. Salope. Arrête, hey, arrête, ça suffit. Ah, c'est hardcore, hein. Lâche-moi. Ah non. Toi, je vais te crever. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le. C'est qui, ça? Laissez-le. C'est infiltré. Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Y a pas d'issue là. Y a pas d'issue. Joël, lève-toi. Oh, Joël, lève-toi, putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas ça. Joël, allez, lève-toi. Ah. Non. Ah. Non. Va au diable. Je te fais pisser. Putain là. Ah ça fait chier. Là ça fait chier de ouf. Ellie. Ah ça veut dire qu'on n'y aura pas de Joël quoi. Je suis désolée. Ah c'est fini. Jesse. Ils sont en bas. Je pensais pas que ça arriverait si vite.
C'était une issue, enfin je pensais que ça allait arriver quand même dans le jeu, mais pas si vite quoi. Et en plus ils nous ont fait jouer le personnage avant, et ça fout grave le seum. Quand c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Ils nous ont épargné, mais là, on connaît l'histoire du jeu. Hein. Là, ça va être la vengeance. Tommy est en vie. Tommy est toujours en vie. Il voulait vraiment juste buter Joël, quoi. Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Putain. Ça fait 6 ans que je voulais jouer à Last of Us avec Joël et tout. Ils l'ont die, quoi, direct. Ah. C'est ça aussi. Hein. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. J'ai pris la sauce là. Je le dis. Si, putain de merde. D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi là? Il me semble que c'est une faction qu'on a déglinguée hein, dans le premier. Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Allez, let's go. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok? Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. Eh ouais, c'était inévitable, putain. Okay. C'est fort. Franchement, c'était dur quand même. C'était dur parce que c'est un personnage vraiment important. Petite séquence émotion. Mais d'un côté, c'est ça aussi la force du jeu. C'est le réalisme, la fatalité de la mort. Et on pouvait pas y échapper, c'était sûr.
je pense que tous les gens qui ont fait le premier là sont tous, on est tous en PLS quand même. Je voudrais passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. Waouh ! Quelle séquence ! Là, c'était quelque chose, quand même. C'était vraiment quelque chose, mais d'un côté... Il fallait, quoi. Il fallait ça, il fallait aussi un thème fort pour le jeu. Et moi, je savais pas si ça allait être, justement, la rivalité Ellie-Joël. Et là, on est clairement... Putain de Tommy. On sera dans la vengeance. On trouvera une autre solution en chemin. Ça va être très violent, je pense, là, ce qui va se passer. C'est... Ouais. Surtout que le personnage d'Ellie doit tout à Joël. Il y a un gros passif. Alors, ce sera plus ceux qui connaissent l'histoire. Tu peux encore c'était le pilier du jeu, quoi. Je sais. Allez. Je veux juste pas que tu te sentes obligé de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. On sera pas seul. Ça va être violent, on va partir à leur recherche. On va les traquer. Et du coup, là, la prochaine... J'espère qu'on va plus la jouer, quoi, par contre. Je l'ai caché près de l'entrée est, pour qu'on puisse s'éclipser. Ah, il faut laisser passer tout ça, hein. Franchement... Ah là c'était sa maison, ok. On voit toutes les fleurs. Je pense que c'était un pilier justement de la ville, quoi. C'était Joël, quoi, merde. Mais c'est fort. C'est fort, je pense que la mort sera ultra présente hein, dans ce jeu. Ça va renforcer le réalisme, ça va renforcer la peur, la survie. C'est le meilleur et la pire chose qui puisse arriver au jeu, quoi. Ok. Je vais bien. Personne n'est invincible. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que même le plus gros personnage du jeu peut mourir à n'importe quel moment. Je vais t'attendre ici. Aïe, aïe, aïe. On va aller trouver sa petite guitare. Je pense qu'on va aller voir sa guitare. On va verser la petite larme. Elle est où ta guitare, Joël? Donnez-moi sa guitare. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi sur les pochettes, sur les trailers, on la voyait avec la guitare, tout ça. Il sera présent tout le long, quoi. Après, il y avait les chevaux, les belles petites peintures. Ah là là, les photos. C'est fort, putain. J'avais vraiment envie de chialer, quoi. C'était dur. Regardez, on dirait John Marston là à droite. C'est un petit peu ça au final. Ah, il faisait les guitares lui-même. Ok, on a tous ces petits outils. Ah, elle est là, sa guitare. Je crois que c'est elle, non? Ah non, non, c'est encore une autre. Alors, on peut regarder le journal, on peut regarder les dessins qu'elle fait. Les promesses faites à la nuit tombée, je les tiendrai comme les autres. On voit justement, donc là on voit toutes les notes sur Eugène. On a un petit poème. Le goût du fer dans ma bouche, mes plaies s'ouvrent quand je chante. Au début c'était écrit. Tu étais le nylon qui vibre, l'odeur du bois verni, un accord parfait. Sous le fer, les cordes sonnent plus claires. Ils n'ont pas su entendre tes notes et le fer a rouillé. Il ne me reste de toi que des mots qui reviennent comme un refrain dans l'harmonie du sang. Ils veulent vraiment qu'on pleure. Ils veulent vraiment nous mettre en PLS émotionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre peut-être dans sa chambre? Bon, la salle de bain, il n'y a pas non plus, je veux dire, on peut regarder peut-être dans les water. Il y a peut-être quelque chose de Joël. Donnez-moi... N'importe quoi.
Je prends. Ça montre. C'est toute beauté, hein. Franchement, les graphismes sont vraiment ouf. Ah, il y a qu'à ses habits et tout, genre. Qu'est-ce que c'est ? Son pistolet. Alors, on va jouer avec tout le long. Je vais déglinguer des gens avec ça, je peux te le dire. C'est mort. Oh. Allez, tu me mets ça dans la poche. Voilà, tu me le gardes. Là, je peux te dire que... s'il y a bien une chose qu'on va améliorer, c'est cette arme. Tout va bien ? Eh oui, c'est la montre que sa fille lui avait offert. Hein. Donc pour ceux qui connaissent toute cette histoire de sa fille, la rencontre avec Ellie, la survie dans le premier. C'est une grosse page, c'est une grosse page qui se tourne. Pour la... tout le reste. Et on va aller de l'avant, on y va. Et on va les traquer, on va les chercher, on va les déglinguer. Ça va être ultra violent. Je pense que Ellie là va exploser. Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. C'est qui ? Prends-lui ses armes. Ah, c'est Tommy qui est parti. Elle aussi, s'il le faut. Ah putain, il est déjà parti en fait. Il a fait genre qu'il... Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Mais il est parti. Ton mari qui t'aime, Tommy. Et oui, c'était son frère, cette Joël. Mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Alors vous allez filer en douce. Ouais. À pied ? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Ah, elle nous laisse quand même y aller. Ah, oh, ça va être fou. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Bien sûr. Très bien. Alors partez, pendant qu'il fait jour. C'est parti. Alors Dina vient avec nous en plus. Donc ce sera certainement notre binôme pendant le jeu. Et c'est là que commence véritablement l'aventure. Direction Seattle. Jour 1. Et oui, vraiment le début, hein. Tout ça n'était que le prologue. Au final. Un prologue qui fait très très mal. On est directement dans la forêt. Un chasseur. Un peu de verre. Comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur ? J'ai même pas réfléchi. J'ai... Allez, let's go. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et... C'est magnifique. J'ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge ? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. Ah, je parle, vrai être humain. Je pense qu'elle parlait d'un... Non infecté. Ils une ont... démission dans le premier. Wow. Et il s'est passé quoi ? Un type a attaqué ma mère. Oh, en pleine forêt là, mais on est perdu. Putain. Et tout le monde tue tout le monde en fait à cette tu époque. Tu m'as battu. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumé là ? Non, pas du tout. Mais t'inquiète. C'est comme moi, fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi ?
Ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF. Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston ? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. Ouais, j'ai hâte de savoir quand même l'histoire. J'ai hâte de savoir qui est vraiment... qui est vraiment cette meuf, là. Pourquoi elle l'a tuée comme ça ? Elle avait l'air quand même très très vénère. Il faut savoir que... Que Joël, avant tout ça, Ellie. Il a un passif vraiment hardcore. C'était ouais, vraiment un gros faut qu'on fasse assassin gaffe. Et criminel. D'accord. Donc il n'était pas tout beau tout rose. Alors d'où c'est que je vais moi maintenant? Je regarde un petit peu là, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu là, on est vraiment bah, normalement en ville quoi. En fait, il y a des arrêts de bus. C'est magnifique, par contre. Wow. J'aime beaucoup. C'est tellement fourni. Fourni c'est parti. Ah ouais, on est vraiment en ville. Let's go! Finalement, tu sais exactement où tu vas. On est sur l'autoroute, je prends la D8. Direction Bruxelles. Ah ouais. Non, moi, je peux pas sortir mon flingue, là, un petit pigeon. Petit pigeon ramené dans le sac. Est-ce que je peux descendre? Ah ouais, je peux descendre. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je peux explorer les camping-cars? Ah, dommage. Ça, ça aurait été pas mal. Ouais, je suis fan de camping. J'adore les camping-cars. Je pourrais passer des heures là-dedans, fouiller des tiroirs. Tester le gaz, faire un barbecue. Ah, petite musique. Bruxelles, ça fait un petit peu loin. Ah, oh, je suis sur la 5. Direction Seattle. On en profite, hein. On en reste profite. Avec Payette. Ouais. Allez, reste avec Payette, ce nom est horrible. On l'assumerait jamais. Alors, on n'oublie pas qu'on est vraiment en mode difficile, mode survie. Donc on va essayer à chaque fois d'avoir un max de munitions, d'avoir un max de ressources. Nickel. Voilà, ça prend quelques petites secondes. On en profite, on se met bien. C'est le RP, c'est réaliste. On fait les poubelles, on fait tout. Ah bah, regardez, un petit plan de la ville. Hmm. Alors attends, moi je suis où là? J'étais près de la 5, autoroute 5. Non. Bon, ça nous servira peut-être plus tard. De toute façon, vu la gueule des routes... Ça devrait pas être trop difficile de savoir où on va. T'as trouvé quelque chose? Ouais. J'ai trouvé une carte touristique. Eh ouais. Bon. Vous voyez que ça sert, hein. Déjà ça. C'est super important dans le jeu quand même de prendre un petit peu le temps, de fouiller. Waouh. C'est toute beauté, regardez ça. Bon, à mon avis, il faut aller tout droit. Allez, Payette. On y va. Ça a l'air calme. Ouais. Méfie-toi. Ils sont sûrement bien bloqués. Ouais, je sais. Ah oui, alors quoi, il y aurait déjà des membres du WLF ? On va faire la bagarre. Moi, c'est tout ce que j'attends. Voilà, je peux te dire. Oh, je vais être sans pitié. Hein. Oh. Il y a des têtes qui vont se perdre. Faut qu'on retrouve Tommy. Il est parti sans nous. Ça, c'est pas cool. C'est le One Man Army quoi, c'est les Bear Grylls. On se croirait dans la Dark Zone. C'est ça la fameuse ZQ. Ah bah, c'est un petit peu ça au final. Fais gaffe en haut. Alright. Ok, explorons un petit peu tout ça. Oh, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Visuellement, on est sur du grand Mendes. Hein. Bah... Vous avez un petit peu dépéri quoi. Vous êtes un petit peu dépioté. Et vous avez vu, il y a les os qui bougent là. On va le déchausser. On va le déchausser. Le problème, c'est qu'il a perdu ses pieds aussi. Vous croyez que le pied, il est resté dans la chaussure? Je crois qu'il y a un os dans la godasse. De quarantaine. T'as vu les uniformes de la Fedra? Tu penses qu'il s'agit du WLF? Ouais, ils les ont laissés ici. Ouais, donc visiblement, l'armée n'a plus le contrôle sur cette zone. Hein. Regarde, on dirait que le mur est fissuré. Fais un petit dessin. Alors, attendez, je lis un petit peu. Ah ouais, WLF, les intrus seront abattus. Donc visiblement, c'est peut-être une de leurs cités. Tu le vois? Ouais. Ah ouais. Maintenant, il faut trouver comment grimper là-haut. On va faire du parcours. Alors. WLF. Ok, ici, il y a une échelle. Les intrus seront abattus. On va faire tout le tour par là. Sympa comme accueil. C'est parti. Au moins, on sait combien l'exploration. Où ils sont passés? Toujours un plaisir. Ils ont pris la peine de mettre ça. Ça veut dire qu'il doit y avoir un moyen d'entrer. Allez, on ramasse un petit peu tout là, pop hop. Là, y'a rien. Surtout que
Ouais, dans ce mode, là, on aura du coup beaucoup moins de munitions. Et je me rappelle que dans le premier, parfois, j'étais vraiment des moments où j'avais juste zéro balle. Je ne pouvais pas tirer. Donc il fallait trouver un autre moyen. Et c'est trop cool, en fait, d'arriver à ce moment-là. Bon, là, il n'y a rien à faire, je pense. Ça plus sur l'autre. Let's go. Ça passe. C'est rien, ça. C'est comme une assassin. C'est pareil. Alors. On a des petits trucs. C'est la dèche, hein. Ah. Ah oui, c'est un petit peu pixelisé quand même. Alors qu'est-ce que c'est ça? Niveau 1 d'infection. Ok, ouais, c'est les niveaux d'infection. Niveau 3, c'est aveugle mais Louis développé. Niveau 4. Ok. Ok, les niveaux 4, je pense que c'est les claqueurs. Ah oui, bah on voit. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, les niveaux 4, c'est les claqueurs de l'extrême, quoi. Avec le cordyceps. Donc c'est des vieux documents sur les débuts de l'infection. Pas vraiment, non. Non, y a rien là. Y a rien ici, je te dis. En plus, c'est super cool parce que vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est que y a beaucoup d'interactions entre les persos. Par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on cherche, dès qu'on sort un document, ils en parlent un petit peu. Y a plein de choses à apprendre. Alors, ouais, je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Non. Bon, attends. Ouais, voilà. C'est cool, ça. On peut sauter partout. C'est quoi ça? Des petits boulons. Ellie, tu penses quoi de ça? Je pense quoi de quoi? C'est moi qui l'ai trouvé. T'as juste suivi la voix. Qu'est-ce que tu racontes? C'est trop la maline celle-là. Elle me suit, elle me suit. Je l'amène devant la sortie, puis elle fait hey. Je suis pas un peu forte quand même. Dina, aide-moi à grimper. D'accord. Niveau 4, c'est des colosses, ça. Oui. Ok. Honnêtement, je me rappelle plus trop des... C'était il y a longtemps quand même. 6-7 ans. Allez, je te laisse là. L'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. À la prochaine. Bonne idée. Alors. Ah ouais, c'est méga risqué là. Ça, c'est cool, petite phase de parcours. Bon, l'équilibre. Il fallait. J'étais censé tenir l'équilibre, mais. Alors attends, je calcule là. C'est quoi ce bordel? Ah oui, je vais passer par en dessous. Ok. Hop. Hop, hop, hop. Et voilà le travail. Là, ça passe, non? Ah non. Mais comment on va le faire, l'autre, là? Ah ouais, je vais vraiment sauter ça? Y'a un immense, hein. Oh. C'était sûr. Il est tout rouillé, le bordel. Je vais bien. T'inquiète. J'ai juste failli crever. Je gère. Ah ouais! Ah ouais, là on est vraiment. Dans la ville quoi. Oh wow wow wow! Wow. Ils sont où ces enfoirés? Pourquoi sauter si loin? Ok, il va bien falloir faire gaffe à tout ça. Allez. À mon avis, il y a un petit comité d'accueil là-bas. On va faire leur connaissance dans pas longtemps. Ouais, tu peux pas glisser là. Fougaille. Ah, on pourra peut-être lui ouvrir la porte d'ici. C'est quoi ça? Oh, une haut. Oh. Alors généralement quand il y a une brique, je vais la garder, on sait jamais. Hein. Alors là, il y a quelque chose. Ah! Les fameux interrupteurs. D'accord. Comment je vais pouvoir t'activer? Ok. Il me faut une rallonge. Est-ce que quelqu'un aurait une rallonge quelque part? Ok. À mon avis, ça va être à l'intérieur. Hein. Ah bah voilà pourquoi j'ai une brique. Hey, ça tombe, vous pouvez ouvrir la porte, j'ai même pas vérifié. On pouvait ouvrir la porte. Mais non. Ah oui, si, maintenant je peux l'ouvrir, oui. Ok, on peut l'ouvrir que de l'intérieur parce qu'il y avait le verrou. Non, c'est juste que je suis trop rapide. Instinct de survie. Le vrai. Le véritable. Alors, des mots de passe. Ok. Je me demande de quand ça date. Pour la grande opération qui se profile, Isaac veut récupérer toutes les dernières réserves du centre-ville. Récupérer de l'essence au parking du tribunal, au dôme, et rapporter la le tout base, à la base... C'est Révena. C'est Révena. Ok, intéressant. Ok.
Donc ça par contre, ou alors une porte principale 0512 nord 0. Je sais pas si c'est des mots de passe ou... Bon, si, à moins que ce soit des mots de passe quand même. Ok. Bah, c'est toujours ça de prix. Ça pourra peut-être nous aider à ouvrir des petits coffres. Pour toujours plus de plaisir. Bon, y'a pas quelqu'un qui aurait une rallonge par hasard ici dans cette ville, je veux dire. Il y a quand même du monde. Y'a pas l'air d'a... Ah bah elle est là la rallonge. Voilà, hey. Dis pas tout. Voilà le générateur. Avec le générateur, bien sûr. Hop. Hop. Et voilà. Bah, putain, il tient bien le truc. Alors par contre, niveau discrétion, c'est pas ouf. Faudra peut-être passer, hein. Hop. Ah, fais chier. Ça date un petit peu. Ok. Alors, attends, juste, je vais juste voir. Ok, non, je pensais pouvoir ouvrir la porte, mais... Pourquoi elle marche maintenant? Sésame, ouvre-toi! Ah oui, mais attends, il y a encore une autre porte. Parce que là, après la petite porte, il y a la grande porte. Par ici! Là, je suis moins. Ah non, top. Attends, je vais faire le videur de boîte. C'est qui? Vous êtes combien? Il y a des filles? Ok, rentrez. Tout va bien? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Il y a trois mecs, merci. C'est mort. Allez, faut que j'ouvre une deuxième porte. C'est merveilleux d'ouvrir des portes aujourd'hui. Au défaut de la mienne que j'ouvre jamais. Ah, dans Last of Us, ça en ouvre des portes, je vais vous le dire. Mais dans la vraie vie, ça reste fermé pendant des années. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit boutonio qui traîne quelque part? Forcément, il marche pas. Ce serait trop simple. Le petit bitonio. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un bitonio qui active l'autre bitonio? Bah, je crois que je vais devoir aller en ville. Hein. Je vais chercher un plombier, moi. À mon avis, il faut aller là. Ah, quoi que. Peut-être qu'avec une brique. Non? Ah, bah non. Ah. Deuxième rallonge. Alors est-ce que la rallonge elle est assez assez longue? C'est du combien de mètres ça? Je peux l'enlever peut-être? Oui. Alors attends. Parce que là il me faudrait du... À vue de nez je dirais du 20 mètres. Non, non, je suis... Attends, j'exagère là. Ah ok. Bon ok. On est sur un petit problème technique. Ah, attendez, j'ai une idée. Oh là là, si c'est ça... C'est que le brain est présent, c'est que vraiment la perte de temps ici, elle n'existe pas. Allez hop là. Et on balance, pas de perte de temps, hein, on y va. Bon, on va pas me l'offrir. Hein. Je veux dire que jouer avec des câbles, ça me connaît. Et voilà, comme ça là du coup j'ai assez de jus. Et je vais pouvoir le brancher directement. Alors voilà comment ça se passe ici. Alors j'adorerais voir peut-être des gens qui galèrent, tu vois, imagine le mec. Il a pas capté qu'on pouvait lancer le truc. Okay. Et il reste une demi-heure là avec son câble. Mais c'est trop petit. Pas la place. Je suis sûr que ça va arriver à certaines personnes. Je suis sûr. Je suis peut-être médisant. Peut-être que le gars est... Peut-être que le gars est médisant, je sais pas. Alors attends. Ah. Ok. Maintenant il faut les codes. Ok. Donc on est sur le main gate. Alors est-ce que j'ai un moyen de voir mes dossiers? Donc j'ai bien fait de le récupérer. Donc c'est pas dans le journal, c'est les codes des postes de contrôle. Alors main gate 0512. C'est fluide, ça va très vite. Ça va très vite, on n'a pas le temps. Nous ce qu'on veut, c'est la bagarre. 0 5 12. Oh, c'est pas très compliqué. Yes. Mais si tu fouilles pas les tiroirs, t'es un petit peu dans le caca quoi. Bien joué. Ouais, paillette. Merde. Attention la queue, paillette. On a perdu des poils. Allez, viens. On s'en va. On a perdu un bout de paillette. Il lui manque l'arrière-train. Imagine l'angoisse. Et maintenant? Allez, regardez-moi ce beau fil là, je vais me la prendre en pleine tête la femme. Il y a des codes dessus. Ça saute. C'est marqué qu'il y a une planque du double. Ok, let's go. Dans une base qui s'appelle Cerevena. Quand on arrive en ville. Cerevena. Seattle. Alors, on va la chercher. Avec un peu de chance, on croisera notre premier double. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à vérifier. C'est vachement grand quand même. C'est vachement grand. Depuis tout à l'heure, si on calcule toute la distance.
Merde, regarde. Ah, le Serevena Hotel. Hôtel Serevena. Sûrement le QG. Ça doit être là. Ok. Encore un bitonio ? Faut trouver le moyen de franchir le... Ok. Portail. Alors on va juste regarder, donc on est à la porte East. Très original. Donc on a un mot de passe. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Mais à mon avis, il n'y a pas de jus. Alors je vérifie avant. Tac. Ah bah non, il s'arrête. Non, il continue le fil, il continue. Ok. Ok, bah on a peut-être juste à l'allumer et à rentrer le code. Ok, c'est parti. Tac. Quoi ? Oh. Ah, il est HS. Ah, oh, plus d'essence. HS. Ah, plus d'essence. Putain, ok. De merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah, on va chercher de l'essence avec Payette. La note. Quoi ? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment on fait pour y aller ? On explore un peu les environs. On verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici ? J'en suis sûr. Ok. Donc là, ça appartient juste à la Fedra. Vous avez monté tout le monde contre vous. Visiblement, la WLF s'est battue contre la Fedra. Ils ont... Parce que la Fedra avait quand même des réfugiés. Ils se sont fait brater. Oh, petit lapin. J'ai pas une brique là sous la main ? Dommage. Ça aurait fait un bon 4 heures. Hein. Alors ! Ah oui, donc là, on va vraiment arriver. Où est-ce qu'on est ? Ah, j'ai bien fait de prendre cette carte touristique. Maintenant, on va accéder à la carte. Ok. Alors. Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Ok, alors on a le Severina à droite. Là, la porte qu'on doit ouvrir. Donc nous, on doit aller soit au parking. Faut que je vérifie sur la note. Ou soit... Merde, je sais plus c'était quoi le deuxième truc. Donc soit tout à droite, après l'autoroute. On va regarder ça. Alors comment je fais pour switcher Tac. Ah ouais, donc là c'est marrant, on va être sur un truc un peu plus open world du coup. Non, donc ok, ça c'est pour ouvrir la carte. Faut appuyer sur le pad. Et ensuite pour l'inventaire, comment on fait? Je peux pas sortir l'inventaire quoi? Moi j'ai besoin de mon inventaire, il faut que je lise mes notes. Ah non, je peux pas. Ok, donc je peux pas prendre mes notes de tout à l'heure. C'est bizarre. Alors là, je suis pas content. Oh, dôme. Alors, attends, je regarde. Ok. Alors, on va voir. Ouais, bah, c'est ça le dôme, hein, je pense. En vrai, c'est méga obvious, le truc qui est juste devant. Ils disent... Je crois que les militaires... Ouvre ta carte et trouve-toi et trouve le chemin. Mais pourquoi ? Bah... Pour nettoyer les zones de la ville. Je vais tout droit, quoi. Les infecter. Eh, pas bête la bête, hein. Ou les rebelles. Alors, le dôme de la Fenra... À mon avis, d'habitude, c'est efficace. À mon avis, il n'y aura pas d'essence. Contre les infectés ou contre les rebelles ? À mon avis, ce sera les deux. Centre de distribution de rations. À Boston, la queue faisait plusieurs pâtés de maison. On va aller et voir. Et la bouffe était dégueu. Ça m'aurait rendu dingue. Distribution certains de carburant. Les plans. Donc on est bon. Allez, ici, on a trouvé le moyen d'entrer. Flammable. Ok. Ah, c'est marrant. On va devoir s'orienter un petit peu. Cool. Qu'est-ce qu'on a là ? On n'a rien de spécial. Ah si, on peut ouvrir. Ah. Une balle, hein. Non ? Tu peux passer ? Ben, je voulais vérifier le bâtiment, en fait, avant, quand même. C'est bon, vas-y. Bon, bah d'accord. Ok. On y va. Oh. Infecté. C'est parti, let's go. Il me faut ma brique ! Putain de merde, je l'ai jetée, j'ai oublié de la reprendre. Ok, donc on peut utiliser l'herbe. Quand vous êtes accroupi dans l'herbe, vous êtes plus difficile à repérer. Il a l'air de me repérer quand même là. Alors j'ai pas trop envie de prendre le risque. Alors, allez, on prend le risque. Allez, ils sont que deux. Alors je vais juste tester. Est-ce qu'il me voit ? Si je ne bouge pas. Ah, il m'a vu. Donc, ah merde. Non mais tire pas parce que j'ai tiré à côté moi du coup. Aïe aïe aïe. Alors de loin ouais. La visée c'est pas ça. Ok, donc
On peut se cacher un peu dans l'herbe. Je crois que c'est bon. Du coup, j'ai usé toutes mes balles. On peut se cacher un peu dans l'herbe, mais pas trop de près, quoi. Au moins, c'était un test, on le sait. Maintenant, on est safe. Il faudra jouer au couteau. Alors, là, par contre, la viser de loin avec les mouvements de l'infecté, c'est pas si simple. Il va falloir s'y faire un petit peu. Mais ça devrait rentrer après quelques... Waouh. Après quelques fights. Oh là là, il y a du monde. Alors, attends, j'ai quoi comme arme? Ça, c'est quoi? Ok, une sorte de carabine. Ouais, il faut pas trop que je dépense, hein. Ah, c'est chaud là hein. En plus ils sont méga ils sont bien amochés hein les zincs. Wow. Alors si je passe sur... Oh il y a un sorte de claque. Oh là 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 là. Alors est-ce que j'ai une position de repli? Je pourrais même pas en plus. Oh là ça va être chaud hein. Là c'est déjà chaud hein. J'ai pas de briques. Ok, on va tenter d'y aller discretos. Ok, ça devrait le faire. Allez, on va longer. Tout doucement. Ok, là, c'est un des claqueurs, donc ils ne me verront pas. En fait, c'est bon, ça passe. Là, je peux pas me fight. Si je me bats avec 3 balles en difficile, je suis mort. Là, je suis clairement mort. On va vraiment jouer la survie. On s'infiltre. Ok, ça passe, ça passe. Oh, Dina, qu'est-ce que tu branles? Ah, mais je peux m'allonger aussi. Oh, là, c'est chaud. Ok, donc elle, elle se fait pas repérer, c'est cool. J'avais oublié ça, si je m'allonge, il me voit pas du tout en fait. Ok, on est bon là. Oh ah, mais non hein. Cours ta mère. Bah, je suis dead. Non, ça passe. Qui c'est qui tire là? Monte, malheureux. Oh oh, je crois qu'elle se fait goumer là. Elle est où? Dina, il faut monter maintenant. Bah, je l'ai perdu. Allez là, Dina. En vrai, elle va s'en sortir, hein, c'est bon. Je la laisse dans la merde. C'est la survie, désolé ma vieille. Non, en vrai, c'est bon, c'est l'IA. Elle va monter, le plus important, c'est que je sois safe. Si j'utilise mes missions, j'en ai déjà tué un là, et encore il est pas mort hein. J'ai mis une balle dans la gueule. Dina. Bon, mais j'ai passé là, elle va suivre. Je vais faire avancer la personne. Donc ça c'est aussi une solution, on n'est pas obligé de toujours tuer tout le monde. Et là clairement vu le stuff... Non mais par contre Dina... ça va quoi. À un moment, tu restes avec les zombies tout le temps. Tu viens avec moi maintenant. C'est beau. Alors, toi, ta munition illimitée, tu meurs pas, ok? On vit pas la même vie. C'est pas la même chose. Moi, j'ai couru, j'ai cavalé direct. C'est une synagogue. Tu te débrouilles, ma grande. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur. En vrai, j'ai avec 3 balles, de toute façon, je pouvais. Deuxièmement, j'ai pas encore. J'avais pas le choix, hein. C'est pas que je suis lâche, hein. C'est pas que je suis faible. C'est une blague débile. Est-ce que ça passe en faire des bonnes? Non. Ferme-la. Ok, j'ai cru voir de l'essence là-bas à gauche. Merde. Ah, dommage. Le verrou est de l'autre côté. J'ai trouvé de l'essence. Il y a plus qu'à y accéder. Ok, il y a un petit bidon d'essence, ça a pas l'air grand chose, mais ça devrait quand même faire le taf. Par contre, c'est chaud, ils font vraiment commencer avec que dalle quoi, en stuff. Genre, on est quand même censé, tu vois, attaquer une faction de malades. Okay. Ouais, on t'a équipé. Ouais, enfin, ils m'ont donné 6 balles quoi, 6 balles de pistolet. Voilà, j'en ai récupéré 2, une bouteille, ça pourrait servir. Alright. Oh, c'est marrant. Attends, mais je vais le mettre là. On va monter au-dessus. Hop. Yop là. Ouais. Allez. Ah non, il va être vide. Oh non. Merde. J'ai perdu 7 balles pour ça. C'est un lieu de culte. C'est vide. Ça craint. On fait quoi? Ah, essayons le parking du tribunal. Et merde. On se tire. Bon, parking du tribunal. En plus, c'est là où je voulais aller au début. J'ai dit ce fameux parking. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tant pis. Au moins, on aura visité cette belle synagogue. Et moi, je me dis, après tout, l'aventure, c'est aussi des découvertes.
C'est aussi du plaisir. Et là, quand je vois ça, je me dis que j'ai beaucoup de plaisir. Alors par contre, par où on va sortir? Tu disais quoi? Ouais. Donc, cet endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. Ça t'arrive encore de prier? Ouais, parfois. Vraiment? Quand ça? Alors, on va faire quand même le petit tour. Hein, on va se prendre un max de stuff. Là, y a rien. Parfois, je me dis des petites prières. Juste. Y a rien ici. Ah. Ah, non, c'est ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. Elle nous parle de ses petites prières. C'est une façon de gérer mes émotions. Comment je sors de là, moi? Ouvrez les portes. De respect. J'ai pris l'habitude. Bon. Il me semble que les portes sont fermées. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis enfermé dans une synagogue, à jamais! Cette synagogue sera mon tombeau. Ou alors, non, je dois pas repartir par là-bas. Oh non! Oh non, les gars. Bon, j'ai pas l'impression. Ah, je suis passé devant un truc, hein. Parfois, ça arrive. Ah, attends, je suis débile. Enfin, non, je... Mais si je prends ça, hop, et que je le mets là-bas, il y a peut-être moyen. C'est vrai qu'il faut toujours utiliser un max les éléments. Ouais, c'est ça. Ok, let's go. Bon, moi j'ai fait un petit tour de la synagogue. C'est pas mal. J'en reviendrai. Hop là. Par là. Vas-y, je te suis. Il y a beaucoup d'escalade. Des petits papiers. C'est quoi ça? Selon nos sources, le WLF aurait une base active à l'angle de Spring et de la 5e avenue. Rassemblez les soldats disponibles de votre secteur et rendez-vous sur place immédiatement. Exécutez les suspects. Ok, donc c'était vraiment la grosse guerre entre les deux, là. Donc la WLF, c'est vraiment un gros truc, je pense. C'est vraiment un gros truc, on va regarder. Alors, faut maintenir... Ok, maintenant je peux ouvrir mon inventaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ok. Le parking. C'est marrant, c'est un truc bleu. Ok. C'est magnifique. Oh. C'est quoi ça? Oh, ça c'est la Torah. Eh, hey, je connais. Quoi? Disons que la Torah. Dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah. C'est ouf quand même. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle tu peux la déplier sur je sais pas combien de mètres. Allez. T'as sacré papier, hein, oui. T'as sacré livre, hein, ça, je voulais. Au moins, ils ont pas tout balancé. Ouais, bah c'était juste pour voir une petite Torah. Bah sympa, une petite visite. Écoutez, on fait un petit peu de tourisme aussi, on en profite, hein, entre les émotions et l'adrénaline. Ah, on nous ferait pas une petite Indiana Jones là? Oh non, on va devoir repasser là-bas en fait. Bah je vais cavaler, hein, je vous le dis. Hein. Moi je vais cavaler. Non? Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ah non, je suis pas passé par là, il y a moi. Et 3. Attends, je suis accroché à quoi quand même? Parce que là. Et 3. Et 4. Pas de problème. Allez, Dina. Allez, Dina. On m'a dit Diana Jones. Okay. Attends, je vais te lancer une bouteille pendant que tu le fais. C'est un challenge. Ah bah non, elle l'a fait en one shot. Ah, d'accord. On est pas du tout dans le même game. Je vais lui lancer une petite, tu sais, une petite bouteille. Ça fait un petit peu comme les pièges dans les fameux temples. Ah, on voit les gens. Je vois des Joël partout. J'ai cru que c'était Joël au début, mais c'est pas lui. 5774. On a fait un bond dans le futur. Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Ok. Super, maintenant j'en ai envie. Raconte sa petite vie. Merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Et bien malheureusement... J'espère que vous êtes sains et saufs. La synagogue est abandonnée. C'est cool parce qu'elle met tout dans ses petits agendas là. On pourra regarder parfois, faire les petites pauses. Voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Toutes les découvertes, les petites notes. Alors où est-ce que je reviens? Ok, je reviens là, c'est parfait. Ça m'évite de me battre avec les autres malades là. Ça passe ou pas ça? Ça passe. Le dôme, c'est fait. Passons au tribunal.
Il vaudrait mieux trouver plus de matériel. Ok, je regarde juste ce que ça donne. Ouais, du coup, c'est barré. Ok, direction le parking du tribunal. Donc, qui est. On peut faire un petit tour ici aussi. Je pense qu'il y a des choses à récupérer. Clairement, moi, je suis en manque de munitions là, faut que je recharge. Ah, je peux changer. Ah, mais attends, j'ai un autre flingue. D'accord, j'ai le flingue de Joël, j'ai 5 balles. Ça, c'est cool. C'est encore ultra limité, mais bon. C'est quoi ça? Ah, une bombe! C'est une bombe artisanale, ça. Génial. Non? Ah, une grenade. Pour étourdir. Ok. Ça peut être cool s'il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Confection. Ah non, il faut que je la. Non. Je l'ai, mais je peux aussi, la craft maintenant. Ah, attends, je regarde juste. Ouais, j'en ai une. Et comment ça marche? Je la sélectionne flèche du haut. Ok. On commence à s'armer, c'est bien. You payette! On va appeler Nicolas. Et paillettes. Oh, alright. Let's do this. Oh, il y a encore un truc là. Non, ici, on a un peu de calme. C'est quoi? Ça fait bizarre de pas entendre de ces camions dans les ZQ. Ah, c'est bloqué. Des explosions. C'est légèrement rouillé. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Allez. Elle devenait de plus en plus parano. Allez, direction. Elle se réveillait parfois en pleine nuit en hurlant. Ah, il y a beaucoup de trucs à explorer quand même, regardez. Là, je suis sûr que je peux y aller là-haut. Toujours. On va aller quand même. On a bien fouillé là. On est resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était là. C'est parti. C'est bien d'avoir un. Ah, c'est ouf quand même la ville. Ouais. Quand je suis arrêté. Ça, c'est une bonne vingtaine d'années, je crois, après justement le monde post-apo. Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Effectivement, bien vu Sherlock. Alors le parking, il n'était pas un peu sur la gauche? Juste mais cet endroit sur la carte. Hop, alors on est déjà arrivé, un tribunal était juste à côté. Tu parlais de quelque chose? Ouais. Je vais voir si le parking il est là. Donc, ouais, le parking est ici. Quand je suis arrivée pour la première fois c'est à Jackson, grand, hein, j'étais impressionnée par tous ces gens. J'étais impressionnée par toute la nourriture. Wow. J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûr de pas en manquer. C'est immense, ce tribunal. C'est pas vrai. Si, je te jure, je me suis même demandé qui était. On va passer par là, on va voir ce que ça donne. Toute notre viande. Oh. J'ai entendu. J'ai entendu. Ouais, c'est blindé d'infectés. Ça vient du tribunal. Alors on passe jamais par la porte de devant. Toujours voir derrière, les gars. La base. Ah bah putain, ils sont déjà là-dedans. Ok, là on est face à un claqueur en plus. Donc ça, faut pas le prendre de face. Il faut le cut dans le dos. Vu qu'on est dans un tribunal, il y a pas mal de trucs pour se cacher. Eh, bonsoir monsieur. Ouah, il est tout... Il est tout moisi. Hein. Le Zach, il est en décomposition. Ok, on va écouter un petit peu. J'analyse. 1, 2, 3... Ok, il y en a beaucoup. Hein. Et il faut faire gaffe parce que les claqueurs sont aveugles. Dans le noir généralement. Mais les autres sont pas aveugles, ils peuvent voir. Typiquement là-bas, je crois qu'il y en a un qui peut peut-être voir. Genre lui, je pense qu'il voit là. Oh, il y a du monde hein. Ok, on va la jouer infiltration. Donc lui peut voir. Lui peut voir. Allez, on va voir sa pattern. Faudrait qu'il déplace. Voilà. J'arrive! Je sais plus c'est quel bouton pour saisir. Allez, tais-toi, Jackie! Tu te calmes! Voilà. Comme ça, ici, c'est safe. Alors, il y en a juste ici. Hein. Faut faire gaffe, pas tomber dedans. Ah, c'est chaud hein, quand même. Là, il y en a une paire. Ok, donc il se déplace vers là-bas. Right. J'ai peur qu'il revienne vers moi. Il va peut-être aller dans le... Ok, il va dans le tribunal. Nice. Ça, c'est quoi? Oh merde, lui, c'est quelqu'un qui voit. Ça, c'est quelqu'un qui voit. Je vais devoir faire une distraction. Ah, on balance la bouteille. On va la balancer là-bas. Vas-y.
Ok. Nice. La voie est dégagée. Okay. Là, le but, c'est vraiment qu'il me voit pas, le cousin. Oh putain, il revient direct. Non, 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 non. Ouvre l'œil. Non. Il m'a pas vu, là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Why? Ça a pas marché. Ouais, je me fais des dingues. Eh ben, quand faut y aller, faut y aller, hein. Putain, la visée, c'est chaud. Oh, le claqueur, je suis mort. Ouais, je suis mort. Non, la première mort. Eh ouais, c'est terrible, hein. En difficile, ça ne passe pas. Donc là, le problème, c'est qu'il est parti derrière, mais direct, il s'est retourné vers moi. Donc il faudrait que j'y aille bien plus vite. Il faut que je lance la bouteille et direct que je le suive, limite. Parce que là, la seconde où je suis repéré avec autant de claqueurs, c'est dead de chez dead. Ok, on revient pile là, c'est parfait. C'est pas grave, on va tester. En fait, limite, il regarde par terre. Je me demande s'il n'y a pas moyen de le cut direct, peut-être. Peut-être juste de m'approcher. Il n'y a pas de claqueur trop proche. Je vais tenter. Si on meurt, c'est pas grave, on essaye, c'est la première fois. Au moins, on sera fixé. Ouais, je peux en fait. Ah oui, en fait, je pensais qu'il allait me voir. Mais comme quand il regarde ses pieds, on peut le saisir de face. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Pas besoin de se compliquer la vie. Ok, donc ça, le claqueur derrière, il me voit pas. Tranquille, tranquille. Juste là. Claqueur. Ouais. Claqueur, t'inquiète, t'inquiète, je l'ai vu. Et ici c'est pas un claqueur, hein. Donc ça il faut absolument le buter. Hein. Ok, allez, va tout droit. Ok, il est parti. Le claqueur me voit pas, c'est pas très grave, c'est flippant de ouf. Mais c'est pas très grave, il faut pas se laisser faire justement par les bruits. C'est justement ce qui fait flipper, mais faut pas tomber dans le piège. Ici, on est là pour survivre. Le coquelicot, ça fait tellement flipper. Ok, et vous avez vu comme en difficile, c'est trop bien, j'adore. Genre, je me suis fait griller, je suis mort. Let's go. Allez. Il faut y aller doucement, intelligemment, étape par étape. Et limite, les claqueurs, on peut les laisser en vie. C'est pas très grave, c'est eux en fait qui sont dangereux parce que eux voient. Et c'est eux qui gueulent et qui alertent les claqueurs. Oui, lui il peut pas me voir, c'est pas très grave. Et lui de face, c'est one shot. C'est mort instant. Et vous avez vu que ma balle ne l'a même pas ralenti. Donc là je vais ouvrir la porte en espérant que ça fasse pas trop de bruit. Non. Et elle a défoncé dedans, hein. Coup d'épaule. J'ai pas eu trop le temps de fouiller, mais c'est pas grave, on a bien fouillé avant. Là, c'est trop risqué. Ok, ça passe, nice. Bon, c'est bien. Maintenant, on sait que justement, on peut être un petit peu plus frontal. Jamais eu d'ennui à bosser. Ça, c'est de la survie, c'est ça que j'aime. Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Là, c'est bon, on peut fouiller un petit peu. Vous avez vu, j'ai préféré laisser les claqueurs en vie pour économiser un maximum. Les balles, pas tirées, juste couteau. On est bien. Voilà. Il s'est passé des trucs moches ici. Parking. Ok, parking. De l'essence. C'est où? Si on en croit la note, ouais. Parking, premier sous-sol. Ok. Faut descendre. Ouais, c'est un sacré tribunal, le bordel. Ah oui. Tribunal... un peu extrême. Le WLF va gagner. La ville va bientôt tomber et si tu ne quittes pas la Fedra, je ne pourrai pas te protéger. Écoute, il n'est pas trop tard. Je me porterai garante pour toi. Retrouve-moi à Ruston. Viens seul. Ok, donc là, visiblement, la Fedra, donc qui est l'armée. C'était mérité, je suppose. Déclare forfait, hein. C'est la défaite. Ah, c'est verrouillé, il me faut une clé. Vous avez pas une clé? Oh, il est dégueulasse. Il est dépioté, cousin. Son pantalon, il tient même plus. Putain, c'est ouf. Vous avez pas une clé qui traîne par hasard? Non. On va falloir passer par ici. Je dis pas qu'il faut remonter, hein. Là, je vois rien, par contre. Je vois pas où ça pourrait être. Ah! Ah voilà! Bah heureusement que j'ai gardé une bouteille dans mon sac! Oh regardez, il y a les petites photos, il y a les petits bureaux comme si rien ne s'était passé.
Les manuels d'entraînement vous donnent accès à de nouvelles branches d'amélioration. Un guide de survie pour la majorité silencieuse. Nice. Ok, donc du coup ça m'a débloqué des nouvelles améliorations. Bah on va regarder. On va regarder s'il y a des trucs à faire. Alors. Alors je peux faire un kit médical là. Donc là j'ai pas... Ah si. Non, j'ai pas assez de ressources. Ah si. Alors, confection d'amélioration d'armes de corps à corps. Ok. Améliore votre arme de corps à corps. Et en restaurant, sa durabilité. Voilà, c'est pour ça aussi que j'économise le couteau. Parce que normalement, le couteau à force, il va se détruire. Donc, si t'as plus de couteau dans ce genre de phase, c'est genre impossible. Tu peux pas passer. Ok, donc ça peut être pas mal en vrai. Ça coûte 20 trucs d'adrénaline là. Je pense qu'on va faire ça. Allez. Voilà. Comme ça, on est safe. Et ensuite... Ok, donc ça a juste... appuyer sur... pour l'étudier. Bah, qu'est-ce que j'ai? Amélioration corps à corps. Ah oui, bah c'est ce que je viens de faire, en fait. Ok, donc c'est ça que je viens de débloquer, parce que j'avais pas avant, c'est vrai. Ah oui, et encore, il y a une autre amélioration. Il faut que je trouve un manuel d'entraînement. Ok, il faut que j'en trouve un autre. Ok. À mon avis, il y a plusieurs moyens de l'avoir. Bon, ça, c'est cool. Ok, nice. On va boire un petit coup. Bon, c'est vraiment cool hein, pour le moment, franchement. Je pense que le jeu, on va le dévorer, quoi. C'est quoi ça? Ah, mais un couteau. Waouh! Ça va être utile. La méga machette! La machette de Bear Grylls! Avec ça, je peux partir dans la forêt. Hein. Ça dit quoi? Ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Oh, ils se sont fait surprendre par le WLF et essayer de s'enfuir. Okay. C'est juste une note. Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Ouais, faisons pas de... Ok, problème. Donc il y a un coffre, on a un code. Ok, Jesse. C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas le lire? Lire. Ah, faut que je retourne. Je peux pas le lire. Bah ils l'ont mis avant. Ok. Donc on a un... Il y a un coffre quelque part. 86 07 22. Retenez 86 07 22. 80... Moi je vais l'oublier, c'est sûr. C'est un truc comme ça, j'oublie tout le temps. Ah bah il est juste là. J'ai oublié. Non, je rigole. 86 07 40 000, c'est ça, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein, 40 000 à la fin. Hey, hop là, à moi les boulons. Donne-moi les boulons. Yes, ça c'est bon ça. Donc ça permet d'améliorer, comme on vient de faire, les capacités, les armes. On peut créer des medikits. D'ailleurs, on va peut-être en créer. On va regarder ce qu'on peut faire là. On peut créer cocktail molotov. Ça, je peux pas. On va faire un medikit. Un medkit là. Bam. Kit médical. Un petit cocktail molotov. Non, j'ai pas assez. Ok, j'ai déjà plus assez. Putain. Ouais, ça consomme, hein, tout ça. Ok, let's go. Bah non, en fait, pas let's go. Non, j'ai pas la clé. C'est quoi ce délire? On m'a pas donné de clé. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On m'a pas donné de clé. Allez, il y a pas un petit sneaker qui traîne. J'adore le sens du détail. Quand même, le coup du sneaker, c'était pas mal. Le sens du détail. Ah, mais attends, on peut peut-être descendre par là. Ouais, je pense maintenant qu'on peut. Yeah. Bah voilà. Ok. Hop là. On travaille dans Star Wars. Hop là, oula. Il y a de la flotte. Ok, là on va vraiment être dans les tréfonds du tribunal. Ça va être blindé de spores et d'infectés. Ouais, c'est sûr. Merde. Oh non. Ah bah là j'ai pas le choix, c'est parti. On a bien fait d'économiser les munitions.
Oh, il y a un claqueur là, c'est chaud. Ok, il est mort, le claqueur mort. Qui c'est qui veut venir tâter là un petit peu? Ok, attendez. Je crois que c'est bon là. Enfoiré. Je crois qu'on peut s'infiltrer. Non? Fais gaffe. Oh merde. Dégage la machette de Birgils. Ok, à mon avis on n'a pas le choix là, faut se battre hein. Est-ce que là si on calme le jeu, on se fait discret, ça peut le faire là? Je pense que c'est bon là. Parce que là il y a un claqueur qui nous cherche. Ouais c'est bon. Par contre vu qu'on est dans l'eau on doit faire masse bruit. Ah il est excité de ouf en plus hein. J'ai pas de bouteille, j'ai pas de briques. Ouais, on va faire notre petit chemin. Ça doit être tellement flippant en vrai. C'est bon, on est bien. Ah, l'essence, c'est là-bas. J'avais pas vu. On va aller voir. Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs. Non. Ça a pas l'air. À mon avis, il entend pas trop d'ici. Hein. Oh, quoi qu'il arrive là. Kiki. Mon petit claqueur. Viens voir Yanni. Viens faire câlin. Avec un couteau. Viens voir un petit peu. Normalement j'ai toujours le bidon. J'ai pas le bidon. Il est où le bidon? Quoi? Bon je vais le buter hein. Ouais calme toi. Par contre elle vient vers moi là. Fais demi-tour. Putain, j'ai pas de briques, j'ai rien, je peux rien lancer là. Je crois qu'elle vient faire son plein d'essence. T'es occupé? Ah, c'est bon. Ok. Alors, j'espère qu'avec l'eau, ça fait pas trop de bruit. Ouais, l'autre, elle fait le gros plongeon, quoi, le gros plouf. Voilà. Ouais, une belle vue là. Parce que ça, de face, c'est simple. Si elle est face à moi, je suis mort. Oh, ça va pas, c'est pas plus compliqué que ça. Alors. Bordel. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ce type de foudre à la main pour sortir de qui. Bordel. Il n'y a plus qu'à trouver l'essence. Alors, du coup, il faudrait peut-être trouver un petit bidon, je pense. Un petit bidon d'essence. Qu'est-ce qu'on trouve là? Est-ce qu'on a ça sous la main? Est-ce qu'on n'a pas ça? Je ne sais pas. Tout est flou. Y'a pas de bidon. Comment tu veux que je prenne l'essence? Alors je l'ai mis dans mon sac ou peut-être qu'il fallait que fait que je les tue tous avant peut-être. Ah bah oui, d'accord, fallait que je les tue. Bah super. Fallait juste les tuer. Alors. Attends. Et on a de l'essence. Ah nice. La chance a enfin tourné. Oh bah punaise, a pas pris beaucoup hein. Le sac magique. Dans ce sac magique, vous pourrez mettre tout direction et n'importe quoi. Portail, une arme, une, un bidon d'essence et rempli. Des cahiers. Des munitions. Oh. Des boulons. Alors, on va ouvrir ça. J'arrive. Et là, regardez bien ce qu'il y a derrière. Allez. Ah non, ça va. Ça va, ça va. On lâche. Bien joué, Dina. Merci. Ah bah il est là, Paillette. Bon, le portail maintenant. C'est bien, toujours au bon endroit, Ali. Je sais pas quand on croisera à nouveau Abby et ses amis. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Pas faux. Ok, on est bon. Direction la en porte. Avant, Paillette. Alors je crois qu'il y avait moyen de passer par là. En plus, on n'a pas exploré. Ça va bien. Le mal du pays. Juste un peu. Et toi? Pareil. Alors, ça passe ou Paillette? Non. Paillette est pas content. J'ai toujours rêvé de. Ah, tu sais, il y avait un truc. Une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite. Seulement si on le fait seul. Putain, okay. Il y a des notes, mais partout. Alors, quoi. On va élever. Hey. Qu'est-ce que c'est? A priori, il y aurait du matos dans une banque. Ah, vous voyez? Allez, jeter un œil. Moi je suis chaud de ouf.
sorte de quête secondaire au final. Faisons pour tester, pour voir un petit peu ce que ça donne. On va voir la récompense. Comme quoi, ça, si vraiment c'est intéressant. Ah, ouais. Eh ben, on aura qu'à le faire tout le temps. Des moutons. Alors. Ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? En dessous du dôme? Ok. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Par où je vais passer? Je peux passer par là ou pas? Vraiment? Ouais. Allez, on va aller voir la banque. On va aller voir ce que ça donne. Regardez comme c'est beau. On va aller voir ça. Il n'y a plus rien dans cette ville. Que des infectés, des claqueurs. Et une banque remplie de matos et d'armes. Et on va se la faire. Et on va se mettre bien. Ok, donc là, il n'y avait pas grand-chose. Est-ce que je peux prendre... Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Ok. Tu veux y jeter un coup d'œil? Comme tu ouais, veux. Ouais, le sens de l'orientation est assez aiguisé, ouais. On trouve direct. Allez, je vais prendre une brique. Ah, en plus... Ah ouais, on va vraiment... Waouh! Nous sommes dans les tréfonds du building de la banque. Bienvenue dans le crédit agricole des années 2050. J'aime le risque. Mais c'est pas un peu trop dangereux, ça? Pour faire un prêt! C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Allez, c'est parti. À mon avis, il va y avoir pas mal d'infectés. Mais on risque d'être... Oh, dang! Non, non, on le joue, on le joue. Regardez, déjà rien que là. Des munitions. Il porte des gilets pare-balles. Ah, il porte des gilets pare-balles. Ok. Bah, lui, je le tue, tu vois. Quoique. Tu vois, il faut pas être pressé, il faut pas être gourmand. Donc, là, à mon avis, si on veut vraiment tout fouiller, bah, va falloir les buter. Hein. Il va falloir les buter, les petits là, les petits moustiques. Donc, il y en a qui ont des gilets pare-balles, elle a dit. Ah ouais, les claqueurs ont des gilets pare-balles. En plus, je vais le buter vite fait, bien fait. Là. Ça passe, ça passe. Nice. Oh. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, voilà. Il faut utiliser Louis. Un qui arrive sur moi. Merde. Oh, damn. Ok, lui, il faut vraiment que je le bute. Ça peut le faire. Oh, merde. Oh putain! Et fuck! C'est pas elle qui m'inquiète! Y'a un claqueur qui va arriver! Non, c'est pas elle, vas-y Dina, je t'en supplie, Dina, tue-le! Il faut que je me fasse absolument le claqueur! Ok. Non! Nice! Ah, c'était risqué, je l'ai tenté, j'ai été gourmand là. Là, j'ai été gourmand, j'aurais dû attendre un peu. Mais okay. C'est bon. C'est bon, on c'était facile. Sérieux. Je me demandais justement si, avec le comptoir, c'est quoi, ces gilets pare-balles, on allait pouvoir se cacher. On mais dirait non. Pas des soldats. Ouais. Je sais pas. Allez, on en profite pour tout fouiller. Hop, un petit peu de matériaux. Bon, j'ai perdu du coup les balles de la carabine, ça fait un peu chier. Mais j'ai pas voulu prendre de risque. Parce que du coup, ouais, il m'en reste plus qu'une. Et je l'ai pas one shot, hein, vous avez vu, je l'ai juste stunt. Et après, ça m'a permis de le tuer au corps à corps. Donc à chaque fois, il faut mettre une balle et ensuite finir au corps à corps. Allez, récompensez-moi là, mettez-moi la moula. On est au crédit agricole ou on n'est pas au crédit agricole? Ah, il y a un mot de passe, ok. 602 306. Je crois que les pare-balles ont essayé de braquer la banque. Oh merde! C'est comme dans ce film. Lequel? Oh, celui avec les cambrioleurs qui faisaient du surf. Oh oui. It. J'adore ce film. 60-23-06. Ok, donc là, il y avait leur plan justement de braquage. 60-23-06. Allez, c'est parti. 60... Hop. Merde, j'ai oublié. 60-03. J'ai oublié en vrai. Ah merde, j'oublie tout le temps, c'est terrible. Non, c'est pas ça. Merde, faut que je sorte la note.
60. Ah, c'est 06. Ah, MRC. Ils sont forts, ils sont forts. Ah, ça, ça aide bien quand même. Parce que là, ça m'évite de ressortir mes notes. Moi, c'est terrible. Les chiffres, je vous jure, j'arrive pas à les mémoriser. Ah, là, c'est. Ah, avoir un chat, c'est pas mal, hein. Merci, les gars. Et voilà. Et merci, le chat. C'est pour vous, tout ça. Je vous le donne. Allez, prenez les boulons. C'est pour moi. C'est Cyril qui régale. Je pensais pas qu'il allait être aussi proche en vrai. Ouais, c'est un peu bidon parce que t'as le mot de passe juste avant. Je pensais que j'allais devoir trouver genre la porte K, N et tout. Mais même pas. Ouais. Le trésor du Crédit Agricole. Tout ça pour moi. Ah bah là, le fric, il va plus servir à grand chose. Par contre, putain, ça fout le seum. Oh, regardez. Oh bah, on a trop bien fait de venir. Waouh, fusil à pompe. Ah, fusil à pompe. Eh hey. Merci. Ah ouais, là, bah là, je regrette pas. Vous voyez comment c'est utile quand même de fouiller, de prendre le temps de faire des petites quêtes annexes et tout. Parce que là, fusil à pompe, ça change tout. Là, il y a un claqueur, il vient. Il veut me faire la bise, le gars. Moi, je lui dis, j'ai un fusil à pompe, hein. Je vais te pomper la gueule. T'as vu tous ces billets? Voilà. C'est ça qu'on est rempli. La moulaga. La vache. Si on vivait dans l'ancien monde. On serait dans GTA 5. Ouf, on serait riche. Ah ouais, mais tout ça ne sert plus à rien. C'est la fin du monde. Tout s'est écroulé. Ok, donc visiblement, les infectés sont venus pendant le braquage et c'est parti en couille. Ok. Je dirais que Kyle Peters, Neon Travis et Neil Grant sont des fils de pute. Le gars était vénère. Et je le comprends. Putain, je me sens vraiment pas bien. Je suis comme un porc. Mon bras a viré au rouge et au noir autour de la morsure. Ah oui, ils se sont fait mordre. J'ai la tête en vac. Ok, bah je crois qu'il s'est suicidé avec le fusil à pompe. Ils ont essayé de cambrioler la banque le jour de l'épidémie. Ah oui, il s'est flingué le crâne. Il pensait sûrement que c'était une bonne idée. Il s'est flingué le crâne. Ok, donc bah nice, franchement, fusil à pompe, ça vaut le coup. J'ai perdu 2 balles de carabine, mais le trade est plutôt sympa. Donc, alors visiblement, par contre, c'est les mêmes balles en fait. Ok. Ouais, c'est les mêmes balles. Ok, nice. Bon, bah on est reparti, hein. Oh! Oh, fuck it! Fuck it, mate! On va juste passer sur le côté. Viens, Dina! Viens avec moi! Vous avez vu, à chaque fois là, c'est stressant ce bruit là quand on. En fait, on sent que. Là-bas, coureur. Ah, y'a mine de sauce? Oh. Non, y'a personne! Bonjour, c'est pour faire un prêt! Non, y'a personne en fait. On va tenter. J'aimerais bien juste partir sans les flinguer. Oh putain! Je me suis chié dessus là. Non, non. Bonsoir, vous avez demandé quelqu'un? Attends, on va pas m'en faire le coup là quand même. La pauvre, elle voulait aller au comptoir. Elle voulait faire ses heures. Elle voulait pointer. Ok. Je pense que là, on peut lui laisser la vie sauve. On va te laisser là, tu surveilles hein. Tu surveilles le coffre. Allez, on est bon. Hop. Bah franchement, ça valait le coup hein. Ça fait une sorte de petit raid en fait. C'est pas mal. Voilà, vu que c'est le début du jeu, c'est assez easy. Mais ouais, je pense qu'après, par contre, il y aura des colosses et tout, il y aura des gros boss. Let's go, Payette. Regarde ce qu'on a. Fusil à pompe. Fusil à pompe, sa mère. Il y en avait des trucs ici. Bon, on a trouvé un fusil à pompe. Alors, ça valait le coup. Parfait. Allez. Tournons au portail Fuck Fedra maintenant. C'est parti, on avance. Payette, toujours au poste, toujours au bon endroit. Il attend, il est là. On a failli perdre son train arrière tout à l'heure. Il a failli nous faire un petit saucisson de Payette avec la porte qui s'est refermée. Bah, quelle aventure. On n'a croisé aucun WLF. Hey, ok. La ville est grande. Alors là, il y a clairement. On commence à peine les recherches. Avec le soleil comme ça, ouais, là, sur la végétation. J'avais espéré en trouver au moins. Alors. Bon, on n'a pas. Je pense qu'il y a encore des tout petits endroits à visiter. Mais bon, je pense que tu récoltes que 2-3 boulons. 2-3 boulons, puis une lettre d'amour. À un moment, il va falloir qu'on enchaîne. C'est parti. J'ai un fusil à pompe pour se venger de Joël.
On va lui faire la même. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Ah bah le code, j'ai oublié, hein. Franchement. Les générateurs sont parfois. On va regarder, hein, mais j'ai. Sûrement essayer de. C'était dans les notes. Alors là, s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle. Mémoire de malade. Alors, c'était dans quoi déjà? C'était dans quelle note? C'est sur les protocoles d'urgence, non? Non. Ouais, mais j'ai 40 lettres aussi. Attends, elle les sort peut-être. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Ah non, mais je suis con, c'est écrit code des postes de contrôle. Ouais, c'est cette note-là. Ok, donc là c'est. Merde, j'ai pas regardé. C'est pas Main Gate, c'est quoi? C'est North 0, donc 1382. 1382, North 0, 1382. Non, c'est East 2. Ok. East 2. East 2, 53, 45. Exactement. C'est parti. Est-ce le bon code? Let's do this! Nice! Bon, pas de comité d'accueil. Après, ce qui va être cool, c'est que pour le moment, on s'est battu que contre des infectés. Et se battre contre des humains, c'est encore mieux! Ils sont plus féroces, ils ont des armes. C'est pour ça que les infectés, il faut essayer de les jouer au max au couteau. Parce qu'après, les humains, ils ont des armes, ils sont à la distance et tout, donc. Je peux pas trop t'infiltrer, quoi. WLF. J'ai compris. Ah ouais, c'est des loups. Ça se tient. Les loups de Washington, peut-être. Ok, donc là on arrive dans leur campement là. Ces petits ans. Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil du coup. Ah ouais. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. Ils savent grimper comme ça, les Incs. Ouais, mais moi je pense que c'est abandonné là. Je pense pas qu'ils sont... Je pense qu'ils sont plus là. Hein. Franchement, ça a l'air full abandonné là. Allez, c'est parti. On va voir ça de nos propres yeux. On a un peu de marge. C'est le guide en fait. Il nous donne la route. Vas-y. Hein. Nous on suit, hein, pas de problème. Oh 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 oh. J'ai raté un truc là ou quoi? Ah ouais, ça va être blindé d'infectés. Attends, parce que là, on voit pas trop là au loin. Ok, hein, ici. On va le prendre. On va faire une boucle. Allez hop! Ah, dégage! C'était le réceptionniste. Le groom. Allez, des petits boulons. Moi j'adore les boulons. Grâce aux boulons, je peux faire des cocktails Molotov. Des améliorations. Putain, c'est un bel hôtel. On va passer sur le côté, tranquille. Je sais pas ce qu'elle fait, Dina. Là. Ah ouais, là j'ai sorti mon gun, t'as vu. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Attends, ils sont en train de manger quelqu'un. Vous mangez quelqu'un? Pas là, là. Là, à mon avis, le problème, c'est que s'ils mangent quelqu'un, c'est que les wolves sont pas loin. Par contre, ils sont vraiment beaucoup et je vais pas pouvoir les tuer. Oh putain. Bonjour. En vrai, je pourrais me faire kiffer et balancer un cocktail Molotov. Mais ce serait vraiment gâché. Parce que là, c'est easy, je pense. Je pense que je peux le passer quand même easy. Est-ce que je me tromperai pas un peu? Ok. Tout est dans le contrôle, les amis. Ok. Allez, hop. Hop là. Parce que le cocktail Molotov, c'est vraiment... oh putain. C'est situation extrême, quoi. Et là, tu vois, je peux faire le contour. N'oubliez pas, j'ai que 4 balles de flingue. Si je l'utilise là, après, il n'y a plus rien. Ah, ce serait trop bien de pouvoir la prendre par-dessus le comptoir. Mais non, je pense pas que ce soit possible. Ok. Donc là, j'ai très peu de temps. Ah,
Eh merde. Fais gaffe. Ah, je peux esquiver, merde. Wouh. Ah, j'étais à deux doigts. À deux doigts. Mais attends, c'est par là que... Ah non, mais c'est une cheminée. Pourquoi je suis venu à la cheminée? Ah, dommage. On esquive. Allez. Merde. Ah, j'ai perdu de la vie là, hein. Dommage, à deux doigts. Ah. Ah, c'est pas si simple, hein. Franchement, il... Ok, ça il crame assez vite fait, hein. Allez, c'est pas grave, on va se bander, on aura essayé. Ah, mais regardez en plus ce que j'aurais loupé. C'est quoi? Ah non, c'est des munitions. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une nouvelle arme. Regardez, il a l'air frais celui-là quand même, hein. Enfin, façon de parler, je veux dire. Celui-ci est encore chaud. Ouais, il est encore chaud. Il y a un loup sur son insigne. Ouais, je pense qu'ils sont encore là, ils viennent s'en attaquer. On dirait qu'ils ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Ok. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël. Bon, moi j'ai gardé mon cocktail Molotov et je pense que le cocktail, je préfère l'utiliser face aux humains. C'est ce qui compte, non? Ouais, mais ce serait pas juste. J'aime brûler les hommes. Autant profiter d'être là pour faire le plein. Let's do this. Ah ouais, il va y avoir beaucoup de cadavres. Ils sont fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Hey, en plus, ils... j'ai trouvé de l'essence. Fou l'essence, là. Ouais, le stock. On sait où en trouver. C'est nice. On va se mettre bien. Bon, là ça va commencer. Je pense qu'on va commencer à affronter des humains. T'inquiète pas. Là, j'ai, je suis armé. Mais en vrai j'ai pas tant de balles que ça. Là on est vraiment en mode survie. 3 balles de pistolet, 1 balle de carabine. Il se peut que... En vrai ça peut être Tommy, hein, qui les attaque. Je le reconnais pas non plus. C'est ce que nous dit le chat. C'est ce que nous soumet. Et je les crois très très fort. Je pense effectivement que c'est Tommy. Allez, on récupère un petit peu. Tac. Il y a peut-être moyen de se confectionner un kit médical. J'en ai plus. Attends, on peut pas faire des munitions par hasard? Non. Ça, ce serait nice. Mais non, je crois pas. Allez. Hop, un petit kit. On peut se faire une bombe. Ok. Ah, je peux me faire une... Augmente la vitesse d'utilisation des kits. Bon, ouais, pourquoi pas. C'est quoi la prochaine? Transforme les grenades en fumigène. Ah, ce fumigène, c'est pas mal. Bon, allez, au pire, on va mettre ça. Allez, utilisation du kit. Allez, amélioration. Voilà. Et parce qu'après, on gagne 25% de santé quand même. C'est pas négligeable. Alors, je garde ma petite brique. Voilà, on est clairement dans leur QG. Là, de toute façon, ouais, j'ai perdu ma machette dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai perdu ma machette. Je l'ai utilisée de façon excessive. C'est pas grave. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Oh. Ah. Il y a eu un interrogatoire. Et ça, je reconnais la façon de mettre le scotch. C'est Tommy. On le dit, moi, c'est Tommy. 100%. C'est quoi ce bordel? Ah, il est vénère. C'est un coup de Tommy. Ouais. Ça. Arrête. Ah, il est vénère. C'est lui. Il est vénère de ouf. C'est un des types qui a tué Joël. Il y en a un autre par ici. Oh, il les a dézingués.
C'est écrit un truc, c'est marqué que j'ai. Je l'ai jamais vu. East. J'ai pas vu. Il a écrit un truc avant de mourir. Ils utilisaient l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Sinon, la morio. Ouais. La morio. Est un... Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il est pas loin. Il doit pas être bien loin. Ah, c'est clair. Ouais. Ça veut dire que les wolves aussi sont pas loin. La mort au tchétché. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le tchétché? Alright! Très bien, on est donc sur les traces de Tommy. Et attention, on va arrêter la VOD YouTube ici, la rediffusion. Nous, le chat, le live, on continue l'aventure. On est toujours en live sur Twitch. On continue ensemble. On va faire un petit débrief, je bois un petit coup. Mais la première VOD s'arrête ici, en tout cas pour YouTube. Donc on dit au revoir YouTube. On va couper la VOD tout de suite et puis on va parler un petit peu avec le chat et on va continuer cette aventure jusqu'à tard dans la nuit. On ne s'arrête plus ce soir. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Salut.